pense que je vais les garder comme ça. C'est des longues. Gérard, oui. Un cajou, une bassine à l'envers. Oui, une bassine à l'envers. Elle est où, Lina? Une bassine à l'envers, ça te la prend. T'as les épouses. Dans. Ça va, ça harmonise. Ça oui, très bien, très bien. Oui, mais parfait. Voilà, comme ça. Ouais. Voilà, je vais me mettre là. Là. Là, ouais. Allez. Allez, c'est parti. Allez, je crois que c'est presque parti. Mais il n'y a pas de musique? Non. Vas-y, chante. Here come the sun. Ta la la la. Ok. Ça y est, t'as mis en place? Oh, il y a Gigi cassé aussi. Ça y est? Ouais, c'est bon, toi, tu vas mettre la musique? Alors, juste quelques petits mots avant. Juste quelques petits mots avant parce que c'est un espèce de bon. C'est un exercice sans filet. Des fois, ça peut complètement foirer, hein. Si on est pris complètement par la musique, tout peut se retrouver simplement un placard noir. Là, ça veut dire que ça n'a pas marché. Bon, je vais tout faire en sorte que ça marche. C'est-à-dire que, essayez de faire non pas comme faisait le Butaille au début. Le Butaille cherchait exclusivement la gestuelle de Pam, ce que je disais tout à l'heure. Mais là, je vais essayer de faire une peinture qui se tienne, qu'elle puisse être jolie et ressembler un petit peu à la musique qu'on va écouter. Cette musique, c'est une musique qui a été jouée en 61 à Stockholm. C'est Coltrane avec Eric Dolphy à la flûte. En principe, c'est très joli. La musique, ça risque rien. Maintenant, c'est moi. Mais moi, personnellement, vous, la première fois que vous voyez ça, moi, j'ai l'habitude. Maintenant, écoutez, vous avez tout votre temps. Allez vous chercher un verre. Ça va commencer. Ah!
sympa.